Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce Chat Plays sur le fin de ce épisode sur Project Zone 2 Kappa. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai laissé la mana pool et le mana spreader fonctionner très peu, genre à peu près 20 secondes. Parce que j'avais vraiment envie de continuer à vous montrer, à vous expliquer Botania comment ça marche. Donc, on se retrouve ici avec notre configuration comme on l'avait laissé la dernière fois. Seulement, la mana pool, elle est extrêmement lente. Sachant qu'il y a des objets qui s'appellent les Black Lotus de Botania. Ces Black Lotus de Botania, c'est tout simplement des sortes de batteries à usage unique, si vous voyez le principe, des batteries alcalines, c'est-à-dire qu'on peut recharger quelque chose avec, mais ça ne l'utilise pas. Si je jette à l'intérieur, la mana va augmenter. Je vais en jeter 10. Et là, on voit la mana, elle a augmenté un peu. Si je jette les Blacker Lotus, là, par contre, c'est plus la même. Et là, notre mana pool, elle est pleine. Donc, nos Black Lotus et nos Blacker Lotus, ce sont tout simplement des moyens assez simples de remplir notre mana pool, voilà, de mana. Sachant que maintenant, notre mana spreader va plus pouvoir mettre à l'intérieur, puisque la mana pool est pleine. Donc, il va stocker à l'intérieur. Une fois que ce mana spreader aura stocké complètement ses trucs, les Daily Blooms vont stocker elles aussi à l'intérieur leurs, eh bien, tout simplement, leurs objets. Nous allons vouloir quoi? Aujourd'hui, on va attaquer assez rapidement. Alors, je pense que j'ai plus de Blacker Lotus. Sachant que les Blacker Lotus, ça se trouve relativement simplement. Ah si, on en a encore là. Ça se trouve dans les loot bags. Du coup, quand on en a 10, on sait qu'on peut remplir à peu près une mana pool. Donc, on va vouloir, avec l'aide de petites Ender Perles, on va vouloir faire un altar. Cet altar, on jette une Ender Pearl dans notre truc. Ça consomme un peu de mana. Donc on va rejeter un Black Lotus de base pour recharger un petit peu. Un petit peu, hein. Voilà. Le mana spreader, il récupère tout. On va vouloir le crafter assez simplement aussi. Donc, on va faire une table de craft. Tac. Comme ça, on a toujours une table de craft dans le coin. Ce qui est toujours pratique parce que Botania, ça va nous demander aussi du craft. Ici, mana perle. Ici, living rock. Qu'on met comme ceci en chapeau. Et on obtient un runic altar. Ce runic altar est un petit altar. Est un petit altar, oui, mais pas que. Pourquoi? Eh bien, parce que cet altar va nous servir à plusieurs choses. Va nous servir à quoi? Vous allez me dire. Eh bien, je vais vous répondre. 2 secondes, j'y viens. Ça va nous servir, alors on va prendre un magenta pétale pour ce coup-ci, pour le spreader. Va nous servir à automatiser, enfin à crafter, à faire des crafts un peu plus complexes que les crafts de base qu'on pourrait obtenir dans Botania. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple, si on fait un clic droit dessus, déjà il y a les objets qui vont à l'intérieur, donc ça m'énerve. Si on jette les objets, ils vont à l'intérieur aussi, donc ça peut m'énerver. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est surtout les crafts du Runic Altar. Alors, prenons. C'est quoi ça? Chisel, Runic Void Stone, Void Stone. Ok, très bien. La Void Stone, ça se crafte comment ça? Ok. Ouais. Ouais, je suis pas un grand fan. Il y a 2 pages. Ouais, je suis pas un grand fan. Peut-être les Beveld. Les Beveld. Mais bon. Donc, les Runic Altar que je voulais vous montrer, ça nous sert principalement à faire des runes. Rune of Water, Rune of Fire, etc. Qui sont des runes de Botania. Il nous faut pour ceci un Runic Altar avec de la mana à l'intérieur. Et les objets qui sont disposés ici. Hop, ça tombe bien. Notre Shadaxe est prête à tout casser. Parfait. Venons ici, pétons ceci, on va récupérer tout cela, on va poser ici notre spreader comme ceci, qui va se nourrir de la mana pool pour envoyer des jets de mana à l'intérieur de notre Runic Altar. Donc c'est comme ça que l'on va alimenter notre Runic Altar assez simplement avec des jets de mana comme ça. Alors ça peut faire un petit peu, etc. Mais ça, vous en faites pas, le mana pool, on l'utilisera pour plus tard. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Enfin, pour le moment, on reste comme ça, on n'a pas besoin de plus. On verra plus pour plus tard, quand on aura une meilleure production principalement. Nous disions donc, on va avoir donc des runes de base, qui sont des runes principales, on va appeler ça,
les runes principales, qui sont des runes qui se craftent sans, enfin juste avec des matériaux qu'on peut trouver facilement. La mana powder, c'est juste de la gunpowder dans la mana, dans la truc, comme j'ai transformé mon enderpearl. Mana Stealing God, c'est du métal, du steel, dans une, et bah, tout simplement dans une mana pool. On va avoir le feu, l'air, la terre, et c'est tout. On va avoir les quatre là qui sont les runes principales, comme les quatre éléments primaires, etc. Nous allons avoir le Spring par contre. Donc ça va être une rune secondaire qu'on va appeler, qui ne va pas utiliser les éléments primordiaux, disons, mais qui vont utiliser un set d'éléments primordiaux. Par exemple, l'eau et le feu, plus des arbres, plus la wheat, ça nous donne le Spring. On va avoir le Summer, parce qu'on va en avoir quatre aussi, hein. Ça va être un par, comment vous dire? Une rune par saison. Donc on a Spring qui est le printemps, on a Summer qui est l'automne, qui va nous demander du melon, des Slime Balls, deux Sand, ainsi qu'une rune de l'air et une rune de terre. On va avoir l'automne qui va nous demander du feu et de l'air, avec des Acacia Leaves et des Spider Eyes. Et on va avoir l'hiver qui va nous demander du Cake, de la Wool, de Snow, du Rune of Earth, Rune of Water. Et aussi de la mana, bien entendu. Ensuite, on va avoir les aspects de mana. Donc ça, c'est une autre qui n'est pas utilisée là, qui ne s'utilise nulle part dans les crafts, à part pour les fleurs, mais nulle part dans d'autres crafts de, eh bien, tout simplement, du pétale apothécary, et qui ne s'utilise pas dans les runes. Donc ça, c'est la Rune of Mana. La Rune of Mana peut nous servir à faire, par exemple, un Board of Aura, ou un Botanical Brewery, ou une Terrestrial Agglomeration Plate, ou un Mana Blaster, ça c'est rigolo, on en verra peut-être plus tard. Ou tout simplement une Rosa Arcana qui va nous générer des choses, qui va nous générer de la mana. Alors je sais pas trop ce que c'est. Je crois que ça génère à partir de roses ou à partir de trucs roses autour d'elle, ce qui est fort probable. Ça doit être une fleur passive à ce point-là. D'ailleurs, c'est une. Il n'y a pas marqué Passive Flower. Bon, soit. Donc la Rune of Mana. Ensuite, nous allons avoir les runes tertiaires, qui sont globalement, autant là on avait les runes d'éléments, autant là on avait les runes de saison, là on va avoir les runes de comment dire, de péché. On va voir tous les péchés, c'est-à-dire la luxure qui va être 2 mana diamond plus la rune d'air plus une rune de summer, la gourmandise qui va être 2 mana diamond plus le winter plus un fire. L'avarice qui va être 2 mana diamond, le spring, enfin le printemps, plus le water, la sloth, je sais plus c'est quoi, la paresse qui va être 2 mana diamond, l'automne et l'air, la colère qui va être 2 mana diamond, la terre et l'hiver, l'envie qui va être 2 mana diamond, Rune of Winter et Rune of Water. Et la. Comment ça s'appelle ça déjà? C'est la. Pride, c'est. Ah, ça va venir. C'est l'inverse de l'humilité. C'est la. Enfin bref, ceux qui paradent, quoi. Deux Mana Diamond, le feu et le summer. Alors je sais que vous allez tous me gueuler dans le chat. Le Pride, c'est machin, le Pride, c'est bidule. Je sais, 2 secondes. C'est juste que j'ai oublié là, mais je connais mes péchés capitaux. Et c'est là. Enfin, c'est l'inverse de la modestie, quoi. C'est vraiment le putaclic. Voilà, la rune du putaclic. Comme ça, au moins, on est tous tranquilles. Et on fait pas chier. Alors, donc tout ça c'est bien, c'est beau, mais moi ce que je voudrais, ce serait une Endoflame. Pourquoi? Parce que j'ai un petit setup à base d'Endoflame qui se craft. Alors ça, l'Infinity, c'est rigolo, mais je ne pense pas qu'on puisse le voir un jour. L'Infinity, c'est sympa. J'aimerais bien en avoir une. J'aimerais bien en avoir une parce que ça, je crois que c'est vraiment l'infini. Alors la Sorliner. Sorlinder, on va avoir plein de choses là. Ok, sachant que j'aime pas Sorin de base. Donc, l'End of Flame, comme je le disais, l'End of Flame va être une fleur qui se craft. Comment? Qui se craft avec Mystical Red, Light Grey, Brown, Mana Powder et une Rune of Greed. Donc, il va falloir quand même pas mal de runes. Hein. Il va nous falloir pas mal de runes.
pas mal d'assemblages et pas mal de choses à faire, donc pas mal de mana aussi, parce que fatalement, bah, ça ne vient pas gratuitement. J'aimerais rajouter un petit chest que l'on a là, simplement pour la gestion des runes. Quitte à automatiser, quitte à essayer de faire un truc propre, autant y aller à fond, non? Simplement pour la gestion des runes. Donc, pour ce qui est des End of Flame, je sais pas si on en aura suffisamment de tout. Je pense, mais bon, de toute manière, on est là pour en chier aussi. Donc, Mana Powder, qui est de la Gunpowder dans deux une Mana Truc. Vérifions des fois qu'on en ait besoin d'autres pour faire d'autres crafts. On aura besoin de gunpowder. Donc on va commencer assez simplement. Donc j'en ai profité rapidement. Là j'ai fait une petite pause pour faire la liste de ce qui nous manque. Alors il va nous falloir 2 mana diamond. Donc on est parti pour récolter toutes les ressources qu'il nous faut. On va essayer de vider un peu notre inventaire quelque part où ça gêne pas trop. On va mettre ici, tiens, tac. Hop. Hop. On récupère ça. Il va nous falloir donc déjà de la bonne mille. Il nous en faut deux de la bonne mille. Parfait. Il va nous falloir deux mana diamond. Donc c'est deux diamants. Il va nous falloir deux mana steel. Donc ça, c'est du steel. Le steel, il se trouve normalement là-dedans. Non. Steel. Alors nous c'est pas ceci, c'est pas celui-là. Ingot, c'est celui-là. Celui-là, il se trouve. À quel endroit il se trouve là-dedans? Très bien. Parfait. Donc du mana steel se craft à base de steel. Et il nous en faudra deux. Un, deux. Très bien. Donc deux mana steel, deux mana diamond, deux bonne mille. Parfait. Il va nous falloir également des saplings. Il nous en faut trois. Donc des saplings, ça. C'est assez simple, on va pas prendre ceci. On va prendre les spruces, tiens. Tac. 3. De la wheat. Du blé. 1. Mana powder. Donc mana powder, ça base de gunpowder. Il nous en faut 2. Il nous en faudra une en plus de gunpowder. Bonne mille, 2. Ok. Canne à sucre, 1. Canne à sucre, une. Il va nous falloir un fishing rod. Alors, il va nous falloir donc tout ceci que l'on transforme en bâtonnet. Comme ceci. Est-ce qu'on a des strings qui traînent quelque part? Normalement, oui. Alors, elles sont où? Elles sont là-haut. On en a 4. Il nous en faudra juste 2. Hop, fishing rod. Parfait. Un fishing rod, une nether wart. Une nether wart. Il va nous falloir également une nether brick. Une nether brick, ok. Alors le glace, on n'en a pas besoin, du coup on va le virer pour éviter de se faire peur. Et une gunpowder. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour faire tout cela. Il va nous falloir donc, comme j'ai dit, ici, ça, ça et ça. Parfait. Le restant, alors on a déjà bouffé un peu là-dedans. Le restant, c'est pas obligatoire dans le présent moment, maintenant, tout de suite. Donc, on veut des End of Flame. Des End of Flame. Pour ceci, il va nous falloir des Rune of Water. Voilà, donc on va les faire tout de suite. Mana Steel, Bone Meal, Mana Powder, Sugarcane et Fishing Rod. Donc, une Mana Steel, Fishing Rod, Bone Meal, Sugarcane, Mana Powder. Et là, ça commence à crafter. Alors là, il va nous falloir, par contre, des petites Living Rock. On va prendre le max. Donc là, ça lui envoie de l'énergie, ça lui envoie de la mana, comme on peut le voir, le petit cercle qui bouge. Là, si on regarde à l'intérieur, notre mana pool, elle va commencer à se vider. Lui, le mana spreader, il va lui en envoyer. Donc là, on envoie du mana à l'intérieur du runique altar. Ce qui va générer ici une petite étincelle en plein milieu, là, comme on peut le voir là. Tac, je vais essayer de vous montrer. Voilà, hop, la petite étincelle au milieu. Dès que cette étincelle va se mettre à faire des éclairs, voilà, comme ça,
On jette ça dessus, le Living Rock. On fait un clic droit. Et on récupère tout ça. Voilà, on peut faire un clic droit pour remettre tout ce qu'il nous fallait de notre ancienne recette sur le tapis. Mais nous, on veut pas ça. Nous, on veut pas ça. Donc, on a obtenu deux Rune of Water. Ça tombe bien, il nous en faut deux. Pour la suite, il va nous falloir, pour la Rune of Spring, il va nous falloir une Rune of Fire qui est Mana Steel, Mana Powder, Nether Brick, Gunpowder, Nether Wart. Ok. Donc, Mana Brick, Mana Steel, Gunpowder, Mana Nether Wart et ça. Donc là, on va obtenir deux Rune of Fire ce coup-ci. On va stocker pour le moment ici, même si on la réutilisera pour faire un truc. C'est pas grave. Ensuite, regardons la suite. La Rune of Spring, je crois que c'est toutes nos saplings plus le wheat, plus les deux runes. Ok, très bien. En sachant que quand on regarde ça, voilà. Ok, très bien. Donc, une fois que ça se sera fait, on va juste récupérer une Rune of Water pour le moment. Jeter la Living Rock dessus. Là, c'est bon. Clic droit. Et on est bon. Parfait. On balance une Rune of Fire dessus parce qu'on n'en a pas besoin. Rune of Fire, Rune of Water, nos trois saplings plus le wheat. Et c'est parti pour la Rune of Spring. Donc, même principe, hein, ça infuse. Ça infuse tout ce qu'il faut. On est en train de perdre de la mana pool, mais c'est normal parce qu'on ne génère pas des masses au final, hein, quand même. Parfait. Du coup, notre Rune of Spring va se préparer. On prend notre Rune of Water qui était d'avance. Alors, sachant que la prochaine fois, on n'aura pas besoin de refaire une Rune of Fire. Il nous suffira juste d'une Rune of Water. De quoi faire la Spring, de Mana Diamond. Pardon. Et ça nous fera une deuxième End of Flame. Enfin, ça nous fera ce qu'il nous faut pour faire une deuxième End of Flame. On va jeter dessus tout de suite le Living Rock. Parce qu'il n'est pas perdu. Une fois que ça c'est bon. Alors, sachant qu'on peut augmenter aussi la vitesse en utilisant des Greater Mana Spring, etc. Mais c'est pas encore au niveau où on en est. On n'y est pas encore à ce point-là. On y sera un jour, mais on n'y est pas encore. Continuons, continuons. Voilà, tac. Et c'est. Ah, ça nous a pas bouffé nos runes. Sérieux? Ou alors c'est un bug. Je trouve ça bizarre que ça nous ait pas bouffé nos runes. Attends, ça veut dire que là, on va pas bouffer notre rune de water et notre rune de spring? Ce qui serait génial! Merde, il nous en manque une. Hé! Ah, je préfère. Ah, si on bouffe pas la rune de spring et la rune de water, je suis heureux. Parce que ça signifie que j'ai juste besoin de faire un set de chacun et les balancer à l'intérieur. Et ça, ce serait cool! Ce serait cool! Sincèrement, ce serait cool. Ce serait super cool. Donc on va attendre que ce soit fait. Tac, et puis on testera. Alors peut-être que parce que je fais des shifts clic droit alors qu'il faut juste faire un clic droit, ça a fait planter, je sais pas. Peut-être que c'est une fonction de préservation, peut-être que c'est un truc lié à la chance aussi, hein, tout simplement. On verra bien, on se retrouve dès que c'est plein. Voilà, c'est plein. Shift clic droit. Oh, mais c'est magnifique! C'est magnifique. Rune of Grid, par contre ce coup-ci on va la bouffer. Hein. La Rune of Grid. Il nous faut une Rune of Grid, donc pour faire ça, il nous faut également Red Powder. Alors, Red, Light Gray, Brown, Brown et Mana Powder. Très bien, donc Brown. On a déjà un Brown ici, normalement. On n'en a qu'un seul. Donc, c'est pas grave. Tac. Récupérons de la Bone Meal. Récupérons une Gunpowder qu'il va falloir transformer en Mana Powder également. Tac. Tac, alors, hop, brown. Hop, hop, continuons. Donc, on avait dit red, light gray, brown, brown. Donc, red aussi. Donc, du light gray, il nous faut aussi, donc, hop, la mana powder. On balance tout ça avec un bucket de flotte. Ah, on n'a pas de bucket de flotte. Bucket de flotte. Voilà, on va en prendre quand même pas mal parce qu'on va les laisser là. Après tout, on en aura toujours besoin d'un, donc autant en laisser là dans un chest qu'on n'a pas. C'est pas grave.
Tac, bucket de flotte. Donc ça, les deux là, plus la rune of grid. Il nous faudra aussi, j'ai oublié, j'oublie beaucoup de choses. Une seed. Alors, est-ce que les blue, les mystical seeds, ça fonctionne? Parce que du coup, j'en ai à l'appel. Tac, ça, ici, tac, voilà. Water bucket, là-dedans. Alors, ça. Et ça. Ça marche. Du coup, on a une End of Flame. Cette End of Flame, c'est tout simplement comme la Daybloom, elle génère de la mana. Sauf que la Daybloom, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout de 60 minutes, elle meurt. Ce qui est assez chiant, parce que j'aimerais bien la faire tourner H24. Du coup, on va plutôt utiliser une End of Flame. L'End of Flame a une capacité assez simple, c'est qu'elle bouffe de l'énergie. C'est-à-dire que je vais tout simplement prendre un petit système qui va me permettre de générer de l'énergie assez simplement, c'est-à-dire un hopper, tout simplement. Est-ce qu'on a encore du Oakwood qui traîne dans le coin? Oui, ici. Parfait, il va nous falloir aussi de l'iron. L'iron, on doit en avoir qui traîne là-dedans. Hein. Avec le nombre de... Voilà. Peut-être là-dedans aussi un peu. Parfait. Hop, on va faire un hopper. Alors, pas ça, pas ça, pas ça, mais ça. Voilà, on va faire un hopper. Tac. Ce hopper, on va le connecter avec du wood. Du living wood. Et on va le connecter à un petit bloc plutôt sympa. Alors il va falloir en refaire du living wood à première vue. On se retrouve dès que c'est refait. Donc avec le living wood, on va faire des planches. Et avec ces planches, on va faire ceci. Ceci, mes amis, est une open crate. L'open crate a une capacité assez sympa. C'est qu'elle balance son énergie à gauche à droite. Donc pour le moment, on va péter les Daybloom. Qui du coup, je ne sais pas si elles vont se régénérer ou pas, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait être sympa. On pourrait faire un petit timer. Ah non, elles se régénèrent pas, regardez. Je pense pas que ce soit la mana qui soit à l'intérieur qui fasse ça. On va faire un truc. Ici, il va nous falloir une plaque de pression en bois. Très important que ce soit en bois. Ici, on va coller une End of Flame. La plaque de pression. Et dessus, une open crate. Cette open crate, dès qu'on va balancer du stuff à l'intérieur, par exemple avec un hopper, on va mettre dedans du charcoal dans notre hopper. Dès qu'on va balancer du stuff, ça va automatiquement en dessous, dropper en dessous directement. Donc c'est un dropper en gros. Nous, ce qu'on va vouloir, ça va être relier cette plaque de pression à ce hopper. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, tout simplement pour nous permettre. Alors, je sais pas, peut-être comme ça. Normalement. Nous permettre d'arrêter le drop parce que ça, c'est réactif à la redstone. Normalement. Du coup, on va empêcher. Enfin, non, ça, c'est pas réactif à la redstone. Du coup, on va chercher à empêcher le drop avec le petit système là. Alors, peut-être que c'est avec. Une petite poudre de redstone qu'on arrivera à faire quelque chose. En théorie, ça devrait transmettre vers le haut la poudre de redstone. Donc simplement une poudre de redstone. Tac, que l'on colle ici. Est-ce que ça va marcher? Là est la question. Parfait. Donc testons. Tac. Non, ça le stoppe pas. Hein. Ça ne le stoppe pas. Bon, je reviens tout de suite, je vais vérifier le build. Voilà, donc j'ai compris mon problème en fait, si vous voulez. C'est juste que là, on est en train de se connecter avec de la redstone, mais la redstone ne se connecte pas forcément avec le haut, ou en tout cas n'envoie pas un signal suffisant vers le haut. Du coup, on va prendre des redstone conduites, qui doivent me rester de quelque part, en théorie. On va essayer de choper ça. Là. Parfait. Hop, ces redstone conduites, on va en prendre un. Et on va venir ici. Notre armure commence à un peu avoir morflé quand même. Hein. On va venir ici, le poser là. Ça va relier automatiquement. Alors normalement, si tout se passe bien. Les deux côtés. Ça ne veut pas relier les deux côtés. Il va falloir le forcer avec une Crescent Hammer. Que l'on a, ça tombe bien.
Hop. Cresson Tamer qui doit se trouver dans un coffre dans le coin. Parfait. Alors on fera peut-être la Yetta Ranch, mais ça, ce sera uniquement quand on commencera vraiment bien à faire des circuits Ender IO dans tous les sens. À ce moment-là, ce sera vraiment utile. Pour le moment, la Crescent Tamer sera suffisante. J'ose espérer. J'ose espérer. Pourquoi tu veux pas te connecter, toi? Attends, si je fais ça, si je fais ça, tu te connectes ou pas? Mais bon. Mais. Ah, il veut pas se connecter. Bon. C'est pas grave. On doit avoir du conduit de binder quand même. Quand même, un minimum. Binder. Est-ce qu'on en a de ça ou de ça? Non. Ok, très bien. Donc ça c'est du sel, plus de la clay, plus de la dust. Dust. Il nous en faut 6. 6 plus une clay en plus. Tac, tac. La clay on la pose, on la casse. Et pour ce qui est du sel, c'est assez simple à faire. Il nous suffit juste d'arriver ici, hop, avec un petit bucket. On le prend comme cela. Comme cela. On va tout faire. Hop, on transforme tout ça en freshwater. Oula, où sont passées mes buckets? En freshwater, donc, comme je le disais. Puis il nous suffira juste de le passer dans un bassin, je crois, ou je ne sais plus quoi, pour faire du sel. Alors, attendez, on va trouver ça. Le sel, il est là. Voilà, parfait. Il faut le passer dans un pot qui est tout simplement 4 iron ingots et un stick. Ça va, on a ce qu'il faut. Alors, un stick. Un stick, 4 iron ingots. Tac, ça nous fait un pot. Parfait, c'est bien. Comme ça, on n'aura pas besoin d'acheter des curly. 4 salt. Donc, 7 salt. Très bien. 1, 2, 6 dust. Et au centre de la clay. Ce qui nous fait des binders composites. Ces binders composites, pardon, on va les faire cuire. On va faire cuire 3 là, 3 là. On va avoir besoin de notre redstone alloy. C'est certain qu'on en avait dans le... Là, en v'là. Voilà. Récupérons les conduits de binder. Parfait. On va venir ici, virer ça. Tac. On passe un coup là. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Redstone conduit. Parce que c'est des insulated glass. Ah, c'est chiant. On n'a pas du glace qui traîne. J'aimerais terminer ce setup. J'aimerais terminer ce setup. En voilà. Alors, du glace. Ah non, on avait dit ça, ça, ça et ça. Alors, pour ça, il nous faut de l'iron, du floral, et il nous en faut 6. Alors, 1, 2, 3. Ça devrait être suffisant. Ça, on va prendre de l'iron. Et on va prendre un peu tout. Donc, on a des insulating glass que l'on va pouvoir placer comme ceci, avec de la redstone eye au centre. C'est toujours pas bon. C'est quoi qu'il nous faut? Des redstone conduits. Très bien. Bon, c'est pas grave, des redstone conduits, on en a. Tac, ça nous fait 6 insulated redstone conduits, en espérant que ce coup-ci, ça se connecte. Normalement, ça devrait. Ça devrait, j'ose bien dire. Tac, parfait, ça se connecte. Du coup, le Crescent Tamer, ça devrait marcher là aussi. Parfait. Donc, si on a un signal de redstone ici, ça l'envoie dans le hopper. Donc, ça bloque. Yes. Du coup, l'End of Flame va absorber le charcoal qui traîne par terre et va générer du mana. Comme on peut le voir ici dans le mana spreader, ça génère du mana. Petit peu par petit peu. Mais ça nous génère quand même du mana. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. Sachant que, du coup, vu qu'on a les runes là, de Spring et runes de Water, qui sont prêtes, on pourra faire du grid assez simplement. Et donc refaire des End of Flame assez simplement. Donc ce que je vais faire entre cet épisode et le prochain, je vais faire Mass End of Flame. Je vais améliorer mon système de hopper. Remplir ici à mort de charcoal. Comme ça au moins on est tranquille au niveau de l'End of Flame. Et on devrait consommer
suffisamment de choses sympas. Donc c'était Chad, merci de vous avoir regardé cet épisode. On se retrouve demain pour le Chad Pack en 1.10, après-demain pour la suite de cet épisode sur Project Ozone de Kappa. D'ici là, portez-vous bien, des bisous, à très très bientôt.